Si est pour elle un rituel. Depuis la disparition de Johnny Hallyday en décembre 2017, son épouse Laetitia et leurs deux petites filles Jade et Joy se recueillent régulièrement sur sa tombe, à Saint-Barthélemy. Ce qu'elles ont une nouvelle fois fait samedi 16 février. Dans sa story Instagram, Jade Hallyday a capté un tendre moment partagé sur la tombe de son papa éclairé de plusieurs bougies, rythmé par la chanson « J'ai pleuré sur ma guitare ». On y voit également Laetitia Hallyday entonner le titre de son époux, tout en caressant affectueusement le visage de sa fille Joy. Un recueillement qui est devenu une sorte de tradition pour l'épouse du chanteur à chaque fois qu'elle revient à Saint-Barthélemy. La dernière fois, c'était en décembre dernier, à seulement quelques jours du premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Mais lorsqu'elle n'est pas à Saint-Barthélemy, Laetitia Hallyday ne manque jamais une occasion de rendre hommage à son homme. En effet, le 14 février dernier, à l'occasion de la Saint-Valentin, la maman de Jade et Joy a eu une tendre pensée pour celui qui a partagé sa vie pendant de nombreuses années. En story de son profil Instagram, elle a ainsi partagé un cliché rempli d'amour où l'on pouvait voir des ballons en forme de cœur et un petit ange rouge, sur lesquels sont inscrits ces tendres mots, « Happy Valentine Day ». Johnny et Angels, les anges de Johnny, a ajouté Laetitia Hallyday. Un clin d'œil à son homme de la part de ses amis qui semble lui avoir réchauffé le cœur.